Charlie, Charlie, t'es un Charlie. Escouade Murphy, c'est comme un champion. Soumaoro Bengali, c'est comme un cousin. Serge Olivier Coquelin. On va faire chap chap 10-15 minutes vidéo, j'en ai mérite. Tu as fini chanteau bien vu là. Quand on a fini de chanter, on a commencé le travail là. Voilà. Inspiration, commando. À tes cédés. Modeste, c'est comment, champion? Rose Azef, c'est comment? Bonjour, champion. 15 minutes de vidéo, 5 minutes d'écouter musique, 10 minutes de parler. Rapide, rapide, chap, chap. Pas que ça à faire. Reguerridim, c'est comme un champion. Je suis calé. Vidéo, je n'ai mérite. Voilà. Je vais vous informer de la situation. Voilà. Vous informer de la situation que vit le gendarme qui a fait la vidéo en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, à Ipo, France. Là, c'est le commando qui chante. Voilà. C'est le cri de guerre. Ceux qui veulent les morceaux là, écrivent sur WhatsApp. Voilà. 07 58 11 28 74. Je vous envoie ça par WhatsApp. Il y a beaucoup d'hommes qui me demandent les musiques là. Frédéric Ngoulaye, dessin de Monsieur Lacoste. C'est comme un champion. C'est aussi Chandetje. Ah. Hey, hey. Il a fait comment? C'est eux qui nous inspirent, c'est le commando. Si on n'a pas écouté la chanson, on ne peut pas parler. On ne peut pas avoir moral. Voilà. C'est comme une drogue pour moi. Voilà. Yeah.
Soumaro, faut m'écrire. Faut m'écrire. Écris-moi. 00337. Ça, c'est le commando. On est sauvage, on demande la sauvagerie. Voilà, brutalité sauvage. Mais sauvage. Ouais. Chantez tout le coup là. Commando, c'est pas blanc. Mais Kana, tu te considères toujours comme un gendarme, mais alors il n'y a plus dans la barre de l'île de gendarmerie. Champion, laisse ça. Être commando, c'est un esprit. L'armée, ça demeure toujours. Voilà, c'est un esprit. Petit Gawa. Mingo, c'est la même. Mingo, 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 Mingo. Commando. Trop là, vous chantez trop là. Merde qu'on les chanteurs là pour mettre dessus. Voilà, petit bâtard, on vous a dit, je n'ai pas musique. On dit, allez tuer assaillant. Ouh, faites, je n'ai pas faites savoir musique. Ouais, la vidéo a commencé. Voilà, le direct a commencé. Ça se poursuit tout à l'heure. Voilà, bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Dessin animé, votre M serviteur, gendarme aussi. Révolution Orange. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo que je suis en train d'enregistrer maintenant pour m'adresser au colonel Madou Yeho et par ricochet au capitaine Danyogo. Voilà. Commandant d'unité de l'escadron 4-1 Kumasi. Voilà. La GILCO. Groupe d'intervention rapide de Kumasi. Voilà. Donc, tout compte faire avant de commencer cette vidéo. Je voulais vous faire les états des lieux de ce qui se passe actuellement à Abidjan. Voilà. Nul n'est censé ignorer qu'un gendarme étant en Côte d'Ivoire s'est érigé en vidéoman pour créer son ras-le-bol comme on le fait ici. En temps normal, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'un gendarme en Côte d'Ivoire, à biais d'un tri, fasse une vidéo. Mais si le gars a fait ça, c'est parce que c'était très nécessaire. Il voulait créer son ras-le-bol. Parce que le jeune homme a estimé que prendre le chemin des armes pour se faire entendre n'est pas dans sa logique. Parce que sinon, en gendarmerie, on dit le jeune homme c'est un monsieur. Quand on te dit le jeune homme c'est un monsieur, c'est un homme qui est doté de raisonnement. Voilà, il sait faire la part des choses. Le jeune homme il ne se rend pas justice. Voilà, parce que c'est le garant de la loi. Il est là pour faire respecter la loi. Sa mission première, c'est assurer la protection des biens et des personnes. Défendre l'intégrité territoriale en cas d'attaque extérieure. Ça, c'est la mission du jeune homme. Donc, ce jeune homme, il a vu des FSI tirer, troubler la quiétude des Ivoiriens. Les
des forces spéciales. S'est érigé en cow-boy, troubler la quiétude des Ivoiriens par le retentissement de leurs armes. Donc lui, le gendarme, étant doté de raisonnement, puisqu'il a fait le droit, voilà, étant doté du BA, du BA1, du BA2, ça c'est des diplômes qu'on passe à la gendarmerie, voilà. Il a trouvé nécessaire de ne pas opter pour la voie des armes, mais plutôt opter pour la voie du dialogue. Mais ce qui est un peu bizarre, on ne comprend pas, ce qui est paradoxal, un gars qui opte pour la voie du dialogue à travers une vidéo se fait emprisonner. Par contre, ceux qui prennent les armes pour troubler la quiétude des Ivoiriens, pour pouvoir réclamer leur prime, eux, ils sont là tranquilles. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont, sont pas en prison. Ils sont là. Ils ont été rémunérés. Ils ont décaissé les primes. Mais par contre, le gendarme qui a usé de son portable pour interpeller le chef d'État, actuellement où je vous parle, il est incarcéré dans le local disciplinaire de Kumasi. Et pour 10 jours, voilà, 10 jours. Mais il sait que ça sera 10 jours d'arrêt de rigueur. Parce qu'à la gendarmerie, quand tu comptabilises 60 jours d'arrêt de rigueur, c'est la radiation. Et l'ironie du sort, ce jeune homme est en régime ferme. Je vous explique. Quand on dit régime ferme, tu es dans le local disciplinaire, on ferme ta cellule avec un cadenas. Tu n'as pas droit aux visites, tu n'as pas droit à la nourriture. Parce que là-bas, tu as des nourris. C'est ta femme qui doit envoyer nourriture pour te nourrir. Mais sa femme s'est vue chasser comme une malpropre lorsqu'elle venait rendre visite à son mari. Donc, ce qui veut dire le Ndel Yapo qui croupit dans le local disciplinaire de Kumasi est en danger de mort. Voilà, parce qu'il est en régime ferme. Régime ferme, tu n'as pas le droit à la nourriture, tu n'as pas le droit à la visite, tu ne peux pas sortir. Donc le gars, il se dit comment? Son crime, c'est quoi? On l'accuse de quoi? Parce qu'il a osé faire une vidéo pour créer son ras-le-bol. Mais si vous ne voulez pas que cela arrive, mais arrêtez de bouffer l'un des gendarmes. Jésus est arrivé bientôt comment? Depuis un temps, il vient pas, il vient quel discours. Que giga ça. Et je suis attendu, elle n'est pas la fin du truc là. Voilà. Un gars qui a osé prendre. Un gars qui a osé prendre son portable pour faire une vidéo, on emprisonne. Par contre, ceux qui ont pris les armes, tirés dans la rue d'Abidjan, pour pouvoir afin de troubler la quiétude des Ivoiriens, sont en liberté. Si ces tels événements arrivent, vous ne voulez pas que des gendarmes s'érigent en vidéoman. Mais s'ils font des missions, que cette mission est rémunérée 10 000, donnez-leur 10 000. Mais si vous voulez bouffer un peu, à la rigueur, vous prélèverez 7 000. Mais vous gardez tout cet argent par devant vous. Ce qui n'est pas normal. Donc actuellement, le colonel Madou Yeo, moi, mes radars, m'ont informé, m'ont rendu compte de ce que tu as troublé. Mais je t'avais dit, moi, le décès durant une semaine, tu seras démis de tes fonctions. Voilà, on ne peut pas accepter d'être trafiquant de drogue au sein de la gendarmerie. Parce que tu es le commandant d'unité du port, tu autorises des dealers à vouloir passer avec la drogue de notre aéroport. Donc ça, c'est d'abord, c'est ternir la compréhension dans laquelle tu es, c'est-à-dire la gendarmerie. Tu ternis le ministère de la Défense et tu ternis ton président. Et c'est une manière de vouloir saboter le pouvoir de Damo Ouattara. Parce que vous excitez les corps habillés à la rébellion. Voilà. Monsieur Danyango, voilà. Toi, je t'ai dit, je serai en tes côtes. Maintenant, si tu veux pas qu'il arrive là-bas, les éléments qui font les services extra hors de ta caserne, les primes là, il faut les restituer en intégralité. Parce que tu n'es pas caché. Voilà. Et c'est valable pour tous ces officiers subalternes qui dirigent
les unités mobiles ou des brigades. Voilà. L'un n'est plus à la rigolade où les gendarmes vont en service et qu'ils doivent percevoir 15 000. Vous prenez les 15 000 et vous les laissez pour compte. Ça ne va plus se passer. Voilà. Cela ne va plus se passer. Voilà. Parce qu'on a assez toléré ces actes. Voilà. Vous vous plaignez. Vous dites non que les gendarmes sont des racketteurs. Mais si vous ne prenez pas que les gens racketent, donnez-les les primes en bonne et due forme. Ce n'est pas la peine de garder les plumes par devant vous. Donc moi, ici, là, à travers cette vidéo, pour lancer mon cri de cœur contre le MDL Franck Aipo qui est incarcéré dans le local disciplinaire de Kumasi. Il est en danger de mort. Et de grâce, capitaine Danyogo, si quelque chose arrive à ce MDL, on te tient pour responsable. Voilà, parce que c'est toi qui gouverne, c'est toi qui dirige l'escadron de Kumasi. Voilà. Quitte à le lieutenant-colonel Madou Yeo, arrête de pleurer. Arrête d'envoyer des officiers pour aller voir le jeune plus du Nord. Arrête de conjuguer. Mais si tu ne voulais pas qu'il arrête de conjuguer, il fallait donner sa prime en intégralité. Parce que là maintenant, tu es en train de pisser, tu as peur, parce que j'ai mis ton cul dehors. Et tu envoies les officiers pour qu'ils demandent pardon à l'enfant pour ne pas qu'il dise la vérité. Mais au pays des gâtés, gâtés et rois. L'enfant, il va s'exprimer, il va dire tout ce qui s'est passé. Mais les officiers que tu mets devant là, quand ils voient les 7 millions, ils reçoivent les 15 millions chaque fin du mois là, ils ont combien? Ils ont 25 000. Les officiers que tu envoies vers l'enfant en prison, pour ne pas qu'ils disent la vérité. Mais eux là, quand ils travaillent avec toi, ils ont combien? Ils ont 25 000. Donc, nous ne sommes plus à la rigolade. Ce n'est pas la peine de te jouer les victimes. En tout cas, tu seras le comptable de ton choix. On ne peut pas vous mettre dans une unité de gendarmerie et vous allez vous transformer en homme d'affaires, en dealer. Et quand les gendarmes se plaignent, c'est vous qui les punissez. Parce que vous pensez que ouais, vous étiez le sommant. Mais renseignez-vous. Et il était tenu. Il a dit, votre commandant de je ne sais pas quoi, j'y vais. C'est moi le dessin. Il est ballon, il est destitué. C'est à cause de moi qu'ils l'ont chassé. On a pensé que c'était un voleur. Et depuis, belle durée, j'ai dénoncé ces pratiques occultes qu'il faisait avec les gendarmes. La raison pour laquelle il était démis ses fonctions par Damon Ouattara. Comme toi, tu veux jouer à ça, comme tu veux te mesurer à la révolution orange, nous, on t'a montré que ouais, c'est nous qui commandons la gendarmerie. On a nos yeux partout. Voilà. Et une parenthèse. Il y a un gars qui vient sur ma page, je ne sais pas, il s'appelle comment, Napoléon Brest. Napoléon, il a dit quelque chose, si tu as des griefs avec certains gendarmes, ce n'est pas la peine de prendre ces noms-là pour venir mettre sur ma page, comme quoi c'est eux qui me donnent les informations sur la gendarmerie. Voilà. Tu n'as pas affaire à un civil. Voilà. Tu as affaire à un gendarme, tu as affaire à un militaire. Voilà. Et le militaire, c'est un gars qui est fort, le gendarme en l'occurrence, c'est un gars qui est fort en enquête, en investigation. Voilà. Donc c'est pas la peine de prendre les noms de tes ennemis, venir mettre sur ma page pour dire ah, c'est eux qui me donnent l'information sur les gendarmes. Tu es barbo dans ta tête du gueule. Donc c'est pas la peine de mettre les enfants, les gens dans les problèmes. Voilà. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me donne l'information. Voilà. J'ai mes yeux au GSA. J'ai mes yeux dans toutes les unités et services de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Voilà. Si elle ne parle pas, ça va passer, c'est pas. Mais je parle quand tout cela nécessaire. Voilà. Donc c'est pas la peine de venir coller une étiquette aux gens pour dire non, c'est eux qui me donnent l'information sur la gendarmerie. J'ai été gendarme, je sais de quoi ils parlent. Voilà. Et la gendarmerie, c'est mon terrain. Voilà. Je sais ce qui se passe dans toute une gendarmerie. Mais si ils ne parlent pas, c'est parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Donc c'est pas la peine de venir dire que ouais, parce que lui me donne l'information sur la gendarmerie. Si tu as des ennemis, gérez ça en vous. Mais ne les jette pas en partout comme quoi pour dire non. Que ce nom, tu as mis un nom, je ne sais pas c'est quel nom là, je ne sais pas. Attendez, je vais vous montrer. Il met un nom bizarre là, je ne sais pas. Attendez, je vais connecter mon truc là. Voilà. Il vient citer des noms bizarres. Que c'est eux qui me donnent l'information sur la gendarmerie. Tu es malade.
Si tu as des problèmes avec des gens, c'est pas la peine de venir les jeter en pâtuche. Voilà. C'est pas la peine. Je vous dis les noms qu'il a mis là. Voilà. Donc, il dit quoi, Napoléon Bress, il dit quoi? Il dit, tes relais sont progressivement démasqués. Exemple, le MDL Aduko François Eliman, escadron Yakro, c'est lui qui te fait dénigrer le colonel d'escadron. Mais lui que tu dis là, je ne le connais pas. Donc, si tu as des problèmes avec des gendarmes, c'est pas la peine de les jeter en pâtuche. Voilà. C'est pas la peine de les mêler à moi mes histoires. Voilà. Parce que je suis très intelligent pour venir livrer quelqu'un pour donner l'information. Voilà. Et toi aussi, tu n'es pas plus bien que moi. Donc, si tu as des problèmes avec des gens, c'est pas la peine de venir les jeter sur ma route. Voilà. Il a dit, il n'y a plus le MDN Aduko, François Eliman, escadron Yamsokro. Il a dit quoi encore là? Tu viens jeter enfant des gens en pâtuche comme quoi? C'est une bonne information. Tu es malin dans ta tête, hein? Ça va pas? Il dit quoi encore là? Il a cité plusieurs noms là. Bon, tiens, il y a tous les commentaires, pas les en bas là-bas. Voilà. Voilà. Donc, Napoléon Brest, voilà, c'est pas la peine de jeter les enfants des gens dans le feu. Voilà. Si tu as des ennemis à la gendarmerie, tu règles ça entre eux. Vous règles ça entre vous, mais il ne faut pas les mettre sur mon chemin pour non à que cet élément-là est venu me donner information. Maintenant, si tu es dans la vérité, pour corroborer la vérité des propos là, fais une capture d'écran de nous, de ma conversation avec ce débat en question et tu mets sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas venir accuser des gens à tort et à travers parce qu'on veut se faire un nom. Voilà. Donc c'est pas la peine d'assimiler moi mes propos aux gens. Voilà. Je suis un gendarme, je travaille avec une certaine personnalité. Je ne veux pas venir livrer quelqu'un ici. La preuve en est. J'ai fait des vidéos. Je n'ai jamais énuméré le nom de quelqu'un. Le nom qu'il dit, c'est le nom des gendarmes. Le nom qu'il dit, c'est le nom des gendarmes qui persécutent les gendarmes. Donc, ce n'est pas la peine de m'associer aux gendarmes que je ne connais pas. Voilà. Donc, mon capitaine Yanago, le MDL, Franck Aipo, est incarcéré de votre local disciplinaire. On dit que ce dernier ne mange pas. On dit que vous avez refoulé sa femme comme une vulgaire voleuse. Voilà. En prison, là, on a droit de manger. On a droit de se promener. Mais par contre, vous l'avez enfermé dans un trou de rat. Mais si vous ne voulez pas que cela arrive, payez la prime. Et toi, il te dit, c'est dans tes côtes. Voilà, Danogo, toi et moi, Danogo Ablaye, ton nom André venu le café là. J'ai contentieux avec toi. Voilà. J'ai contentieux avec toi. Maintenant, sorti sur toi, tu seras étonné. Mais il te regarde. C'est un avertissement ami. J'ai mis ta photo pour dire ah, montre Jean A. C'est de celui-là qu'il s'agit. Danogo Ablaye. Commandant escadron 4-1. Je n'ai pas la page, moi je m'adresse au colonel Yo. Donc, monsieur Yo, soyez digne de missionner. Et puis en plus, tu portes béret rouge. Tu portes béret rouge. Tu n'as même pas commando. Quand Gervais était aux commandes, il t'a dit il a été enlevé du GSA, du groupe sécurité aéroportuaire. Tu as commencé à pleurer. Non, mon colonel, pardon, mon général, il faut m'enlever, pardon. Il n'a pas dit faire stage commando. Tu allais payer stage commando. Tu as vu? Vous n'êtes pas commando, en vous d'aller faire le stage commando, vous ne voulez pas, mais vous voulez diriger les autres commandos. Tu portes les béret rouge, tu n'es pas commando. Ton stage, tu l'as fait où? Colonel Madou Yo, ton stage de commando, là, tu as fait ça où ça? Parce que moi, mon stage de commando, il est fait en 2005, à Kebefia. Voilà. Toi, ton commando, tu as fait ça où ça? Colonel Madou Yo, tu as fait ça où ça? Vous n'êtes pas allé au commando, au stage, pour dire qu'on vous frappe pas. Mais quand c'est pour aller être chef des unités de commando, c'est là que vous voyez, parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais pourtant, on vous dit d'aller au stage commando. Gervais a failli t'enlever là-bas. Tu as commencé à pleurer. Vous dites non, mon général, pardon, pardon, il y a le commando. Tu as commencé à pleurer. Béret rouge, tu portes là. Tu sais comment on fait pour avoir ça? Le béret rouge que tu portes, tu as porté sur ta photo, bien quoi là? Je ne sais pas quoi là.
quand il y a combat, on ne voit pas. Hein. Mais quand c'est là, voyez ça. Béret rouge à porté là, ça là, ce béret rouge là. T'as eu ça où ça? T'as fait ton stage, t'as fait ton stage où ça? Ton stage commando, t'as fait ça où ça? Voilà. Parce que tout commando ça simule à une promotion. Moi ma promotion c'est pas 4e promotion à Kebe Fiat. Voilà. 2005. Ça se donne ma promotion. 4e promotion à Kebe Fiat. Toi ta promotion c'est quoi? C'est quoi? C'est Banco ou bien c'est à 30 Dieu ou bien c'est quoi? C'est un vrai bouvier. Donc on est bouvier là, on reste tranquille. On est bouvier, on reste tranquille. Voilà. Et ça c'est un exemple aussi. C'est pas seulement le colonel Madou Yoho qui sera harcelé. Tous ces commandants véreux de gendarmerie qui pensent que les éléments sont des esclaves seront visités. Mais comme Madou Yoho, c'est lui qui commande l'aéroport, étant donné que l'aéroport c'est l'entrée d'Abidjan, raison pour laquelle je commence par lui. Mais le deuxième ne sera pas épargné. Le Wana Wana ne sera pas épargné. Le 3-1 ne sera pas épargné. Le 4-1, toutes les unités et services gendarmerie seront visités. Dont les monos. Ceux qui ont l'information, si tu as ton information sur ton commandant d'unité, tu m'écris en inbox. Voilà, dessin animé du demande. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ah, c'est facile. C'est facile parce que celui-là, il faudrait que ça change. Je suis animé du domaine. Vous amenez la gendarmerie. C'est venu voler l'un des gens. Voler l'un des gens seulement. Voilà. Voyez ça. Dessin animé vidéo, c'est ici là. Voilà. Où il a contacté là. Voilà. Où il a contacté là. C'est là que vous me contactez. Tout ce que vous savez, vous envoyez. Voilà. Maintenant, moi, je prends le soin d'analyser, de vérifier pour voir si c'est crédible. J'ai fait la vidéo. Voilà. Maintenant, vous les RD aussi là. Ne pensez pas que ouais, je suis bête. Hein. Vous avez envoyé les fausses informations pour me mettre dans du faux. Je ne suis pas bête. Voilà. Moi, je connais les gendarmes. Donc, c'est par là. Voilà. Où ils ont mis contacté là. Mais par contre, si vous appelez, ça sera ici, sur mon téléphone. Voilà. Donc, contactez-moi pour ceux qui ont des problèmes avec la commande d'unité. Voilà. Donc, je disais, il dit quoi? Sam Béli. Ouais. Danogo Abdaï, c'est un vendeur de café. C'est moi, il me punit. Parce qu'il dit, il va courir. Il me dit, d'aller surveiller la gueule. Moi, je suivais la gueule. Moi, j'ai suivi la gueule en plein forêt, à Jacquesville. Voilà. Donc, il faudrait que cela serve d'exemple à tous ces commandants d'unité véreux qui gardent l'argent de leurs éléments par devant eux. Voilà. Et puis, nous avons dit ça. L'État doit décaisser des trahis. On vous donne l'argent, vous bouffez ça. Et vous exigez aux gens de payer. 30 000. Mais 30 000, il va voir où ça. D'abord, son salaire est petit. On dit qu'on peut payer 30 000 pour trahir. Ça veut dire que vous venez tout, même un pour aller en service, il doit vous louer ça à 500. Trahir, j'ai même devoir payer ça, 30 000. Mais il faut le temps de l'État. C'est vous qui donnez les trahir. Dans le ministre là, Alain Donvalu, bien quoi là. Voilà. C'est toi qui es le chef suprême, je ne sais pas, tu commandes le ministère de la Défense là. Les gendarmes. C'est un cri de cœur qui lance. Voilà. Donc, essayez de voir cette situation. Et ils n'ont pas demandé des primes pour dire non, on a fait la guerre, donne notre argent. Ils disent, les agents des services qu'on ne paye pas là. C'est ce qu'ils réclament. On fait ce lieu sur le site. Moi, mais fait ça. Allez, vous là-haut. Ce lieu sur le site. Bien, moi, pas maintenant ici. Voilà. Ce lieu sur le site. C'est les services qu'ils effectuent. C'est payé au moins à 10 000, ils ne reçoivent rien. Tous ces petits services-là, ils veulent leur argent. Voilà. Ils veulent leur argent. Parce qu'on est commandant d'unité, on a une prime de commandement. On ne peut pas avoir une prime de commandement et s'accaparer l'argent de ces éléments. Vous allez prendre du carburant à Agba. Parce que chaque unité est dotée de carburant. Ils ont un bon carburant pour le mois. Vous,
Vous prenez ce carburant-là, vous ne mettez pas dans les voitures pour faire les services, mais vous allez donner ça à vos copines. Vous vendez le carburant au taximètre. Ça, c'est la pratique de ce gars-là. Madou Yeo, c'est son travail. Il prend l'un du carburant. C'est-à-dire, il est bon, les carburants-là. Au lieu de mettre en gendarmerie, ils vont travailler ça. Lui, ce n'est pas son problème. Il est un commerçant. Il doit construire un plus casse peut-être à Djaké. Donc, il prend cet argent-là, ces carburants, pour aller vendre au taximètre. Voilà. Donc, tout cela va cesser. Et de grâce. Et de grâce. Voilà. J'ai mes yeux à Kumasi. Voilà. Ce prisonnier, il ne va pas disparaître. Ce prisonnier que vous détenez là-bas, en l'occurrence le MDET Aipo, il ne doit pas disparaître. Sultan Kouyaté, mère qu'on est ta maman, tu n'es pas gendarme, voilà, tu ne sais pas de quoi il parle. Voilà, va sucer ta pine. Voilà. Attends, il est bloqué, monsieur Gala. Bloque-le. Voilà. Donc, on vous a à l'œil. C'était juste une petite vidéo pour venir faire l'état des lieux de ce que le MDL est enfermé à Kumasi pour 10 jours. Régime ferme. Il n'a droit à aucune visite. Voilà. Donc, on vous prend à témoin. Ce MDL n'a pas disparu. Mais s'il disparaît, c'est la faute de Madou Yeo et du capitaine Dango Ablaye, ce vendeur de café. Mais tout comme fait, toi, il y a le bénéfice sur toi. Il y a tant de bien réunis. Les attiqués, les sauces, mamites, huile, là, bien fait ta nourriture. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. S'il n'y a pas de question, bonne question, et à avancer. Voilà. Et c'est plus, j'ai envie maintenant où nous, on travaille pour vous faire notre argent là. C'est plus ça. On est grande muette. Nous, on n'est plus muet. On va parler. Voilà. Parce que toi, c'est trop. Un gars qui a fait une vidéo pour dire, ouais, donner son argent, vous le mettez en prison. Mais les gens qui prennent. Ils prennent Kalash et ils tirent dans la ville. C'est eux qui sont à l'est. Pendant que, ouais, Kane Kwasi dit, tu parles de quoi? Bon, comme tu es un animal, il était bloqué aussi. Voilà. Voilà. Donc, je disais, un gars qui a pris sa caméra, son portable pour faire une vidéo, pour lancer un cri de cœur, pour dire non à vos primes de guerre. Vous parlez de ça, moi je n'ai pas besoin de ça. Mais de grâce, quand on effectue des services, ce qui nous revient de droit, donnez-le nous. C'est ce qu'on vous demande. Si j'essaie de surveiller Baka, comment donner 10 000, donnez mes 10 000. Mais je n'ai pas de surveiller Baka pendant 24 heures, on me paye 10 000. Vous ne me donnez pas d'abord les 10 000. Et encore, vous me faites faire des services, il ne faut pas l'argent, on n'a pas des robots. Il y a d'autres mecs qui prennent les jeunes hommes pour aller surveiller les champs de VA. Il y a d'autres qui prennent les jeunes hommes pour aller accompagner les femmes au marché. Ça y est, je n'ai pas dit, les gnus maintenant, je ne sais pas, les boys. Voilà. Donc, tout cela, ça va cesser. Donc, monsieur Madou Yeo, colonel Madou Yeo, GSA, arrête de pleurer. Voilà, c'est ce que tu as semé, que tu as récolté. Voilà, quand on est jeune homme, on se comporte en jeune homme. Moi, on ne peut pas être jeune homme et puis se comporter en bandit. Tu fais passer la drogue à l'aéroport. Pourquoi tu fais ça? Vraiment, Ouattara là, il reste 3 ans. Nous, on est en train de l'exporter un peu, et puis il va partir. Mais vous voulez précipiter sa chute. Vous voulez pousser les gendarmes à se rébeller. Vous voulez pousser l'armée à se rébeller pour faire tomber Ouattara. Moi, je ne suis pas l'ancien. Moi, j'ai fait le coup d'état. Je ne suis plus dans ça. Voilà. Vraiment, Ouattara pensait que 10 ans, c'était 100 ans. Mais il reste 3 ans. Mais pourquoi vous voulez pousser sa chute par rapport à quoi? Parce que c'est une manière de précipiter la chute de Dama Ouattara. Il donne l'argent, les primes sont décaissées. Vous bouffez. On peut dire Dama Ouattara ne donne pas l'argent. Mais Air France, société Air France, AF, Air France, vous faites des services. C'est la France qui décaisse l'argent. 35 000 par jour, par élément. Mais tu gardes l'argent, pourquoi? Tu veux être trop riche, quoi? Donc les gens qui sont là, ils ne peuvent pas construire. Ils n'aiment pas l'argent aussi. Ils n'aiment pas l'argent, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le coût de l'argent, ils ne peuvent pas construire. Tu appelles Mercedes pour ta fille, elle va aller là. Mais les autres gens, ils ne peuvent pas payer bonbon pour les enfants. Mais c'est vous, vous devez tous les voir comme des chiens, quoi. Non, sous-officier n'a pas droit à la parole. Ah, c'est plus ça, hein. C'est sous-officier d'avoir qui n'a pas droit à la parole. Mais nous, ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Nous, on parle. Et maintenant, ils vous ont montré qu'ils peuvent parler. Il y a un, nous, on est ici, on parle. Mais il y a un, à Abidjan, qui a parlé. C'est pour lui, ça commence un peu. Lui, il a parlé. Français, il y a un qui a parlé aussi. Jusqu'à eux, ils ont fait vidéo. Parce que eux, là,
ne connaissent pas l'affaire des âmes. Voilà. Ils aiment le peuple. Tu ne peux pas prendre des âmes pour les tirer parce qu'ils sont frustrés. Mais ils vont faire des vidéos. Voilà. Par contre, ce que vous avez loué là, c'est eux, vous aimez parce qu'eux, ils programmaient les primes, ils tirent partout. Mais ils sont en liberté. Mais l'homme qui fait vidéo pour dénoncer l'état de son institution est lui emprisonné au détriment de ceux qui tirent les âmes. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo pour interpeller le ministre de la Défense. Allez libérer ce jeune homme-là. Voilà. Il a fait 3 jours là-bas. C'est depuis dimanche, il est incarcéré. Il s'est passé depuis, vous voyez. Depuis samedi, il est incarcéré. Il a fait 3 jours. Allez le libérer. Voilà. Il n'a pas volé. Il n'a pas commis un crime. Voilà. Il a juste dénoncé vos conneries. Allez le libérer. Par contre, si vous voulez mettre des gens en prison, mettez ceux qui ont tiré, qui ont trouvé la qualité des gens à Boaké, à Diaké, pour vouloir réclamer les primes, on doit mettre en prison. Un gars qui a fait les vidéos, il n'a rien fait. Voilà. Donc libérez-le. Clément Dedou et le cadre de prisonnier militaire. On libère les militaires. Donc les gars, c'est ma petite vidéo. Voilà. À l'endroit du MDL Aipo. Big up pour MDL Aipo, on te soutient. Tout qu'on fait, il ne peut pas te tuer. Voilà, parce que il voit clair. On a nos yeux là-bas. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera sur le commandant d'unité du GSP, groupe de sécurité portuaire. Après, maintenant, on va aller à Yopougon, au Wanawana, et au 2-1, à Lascar. Et après, maintenant, on sera à Ténéré. Ça, c'est l'indicatif. L'indicatif de l'unité de l'homme. Voilà. Donc, sur ce, on s'est laissé. Écoutez la musique, on s'est laissé. Connaît Abdoulaye, il dit salut champion, j'ai appris qu'il n'était plus jeune homme quand il faisait la vidéo. Non, mais s'il n'est plus jeune homme, et puis ben, il fait quoi en prison? Et dans une prison de jeune homme, Guédé, il dit cherche à faire un boulot car tu prends de l'âge, essaie de fonder une famille, sinon ta vie sera pareille à celle d'un animal. Mais c'est ma vie, et si roi dans ma vie, hein? Donc Guédé, je ne suis pas ton parent. Voilà, si je ne fais pas travailler là. C'est pas ta mère qui a se plaindre de moi parce qu'il n'y a pas l'argent. Voilà.